Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose encore un tour du côté du Cameroun. Vous le savez, là-bas se déroule le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 où la République démocratique du Congo prend activement part. Et lors de la première journée, la RDC avait battu le Congo-Brazza dans un derby du fleuve. But de la RDC a été inscrit en deuxième période, en début de deuxième période, par cet air de tout-puissant Mazembe, l'ailier Chico Ushindi, et le Congo-Brazza n'était pas en tout cas parvenu à revenir sur la marque. Et la République démocratique du Congo, qui avait connu en tout cas un coup dur, avec au moins 5 de ses joueurs qui avaient été testés et positifs au Covid, qui avaient donc été écartés du groupe, et parmi ces joueurs, nous avions Issama Mpeko et d'autres joueurs également. Et pour le match de la deuxième journée, match qui s'est joué ce jeudi 21 janvier 2021, il y a eu d'autres cas encore de Covid-19, dont le sélectionneur principal, Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Il y a eu d'autres joueurs également, tels que Doxa Jikanji, Andy Ibikoko et d'autres encore, qui ont été également testés et positifs, ce qui a en tout cas bouleversé le plan de nos Léopards, qui devait en tout cas affronter en un match très important la Libye. La Libye qui a gagné, comme la République démocratique du Congo, au moins une fois déjà, ce championnat d'Afrique des Nations. C'était lors de l'édition 2014, et la Libye, un adversaire coriace donc, qui a fait face à la République démocratique du Congo. Et au cours de cette rencontre qui s'est jouée aujourd'hui, dont le score final est de 1-1 partout, vous avez certainement suivi ce match, un match plein d'émotions. La République démocratique du Congo a été cueillie à froid par ce but matinal qui est venu en tout cas grâce à une balle arrêtée. Il s'agissait en tout cas d'un corner tiré et de la tête. Le gardien Nathan Mabouki était trompé. Nathan Mabouki qui remplaçait justement aussi le gardien titulaire Matan Pivumbile, qui avait été aussi cité parmi les joueurs qui étaient testés et positifs. Et lors de ce match, l'équipe qui avait en tout cas joué contre le Congo-Brazzaville a pratiquement été reconduite, mis à part au moins deux joueurs qui ont été remplacés. Il s'agit de Matan Pivumbile et Karim Kimvuidi, le meneur de jeu du Daring Club Motema Pembe, qui a été remplacé par un joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, et Bengo. Comment avez-vous trouvé en tout cas la prestation de nos Léopards face aux Libyens? Les Léopards qui ont su quand même réagir, quoique un peu tardivement, mais la réaction a permis quand même d'obtenir cette égalisation grâce à cette magnifique frappe de Amédée Massassi, une frappe qui est venue aux ultimes minutes. Nous avions même débordé de quelques secondes de la minute accordée pour les temps additionnels, et cette frappe venue d'un autre monde est venu équilibrer en tout cas le score au niveau des Marquoirs, et les Libyens qui cherchaient en tout cas à gagner du temps n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Les Libyens et qui ont beaucoup en tout cas gêné les Léopards aujourd'hui et qui ont surpris certainement les Léopards. Un match qui avait de l'enjeu surtout pour les Libyens qui avaient fait jeu égal avec les Nigériens lors de leur première journée. Ils avaient été acculés et donc ils ne voulaient pas en tout cas se mettre en difficulté. C'est ainsi qu'ils ont abordé ce match avec un peu plus d'agressivité que nous. Et du côté de la République démocratique du Congo, nous avons encore décrié l'inefficacité de nos attaquants. Nos attaquants étaient trop maladroits, trop de précipitation, et nos joueurs ont confondu malheureusement vitesse et précipitation, ce qui n'a pas permis en tout cas à la République démocratique du Congo d'inscrire ce but et même de prendre le dessus devant en tout cas les chevaliers de la Méditerranée, devant les Libyens. Et une autre chose que nous avons en tout cas pu remarquer lors de la rencontre d'aujourd'hui c'est quand même les changements tardifs de la part du staff technique, alors qu'on sentait bien qu'il y avait quelques lacunes au niveau du terrain, et que
la stratégie qui avait peut-être été mise en place de commun accord hein, au niveau du staff technique n'a pas marché, étant donné que les Libyens avaient certainement eu le temps de révisionner en tout cas notre match de la première journée contre le Congo-Brazzaville. Ils nous ont posé énormément de problèmes et nos deux ailiers du jour, à savoir Lilepo et Ushindi, ne parvenaient pas en tout cas à créer de l'espace hein, au niveau de l'attaque, à déborder, à offrir une belle passe en tout cas à l'avant-centre Fiston Maël et Kalala afin qu'ils puissent concrétiser, même si c'est vrai, nous nous sommes procurés quand même quelques opportunités avec cette balle, ce but hein, raté en tout cas par le buteur du jour, hein, Amédée Massassi, qui avait tiré en tout cas sur le poteau, c'était en première mi-temps. Il faut noter également aussi le sauvetage hein, de Nathan Mabouki, qui a été en tout cas récupéré pour l'occasion, lui qui a remplacé Matan Pimvoumile. Je signale qu'il y avait également le gardien de but du FC Renaissance, Guy Serge Mukumi, qui avait été aussi testé positif. Hein, donc la République démocratique du Congo n'a pas eu de chance aujourd'hui de ce côté-là. Nous allons revenir un peu hein, sur tous ces tests qui s'avèrent positifs au niveau du Cameroun. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que nous puissions analyser et comprendre comment les joueurs sont testés positifs à la fin des matchs, ce qui perturbe énormément nos léopards, ce qui perturbe énormément le travail des staffs techniques. Hein. Nous allons en tout cas y revenir, mais pour l'heure, nous avons voulu un tout petit peu analyser cette rencontre. Hein. Et je l'ai dit, hein, Ebengo, au niveau du milieu de terrain, lui qui a remplacé Karim Kimvuidi, a montré de très très belles choses aussi. Hein. Mais nous avons aussi remarqué de la précipitation chez lui. Il a des bons tirs, hein, ce joueur Ebengo. Mais malheureusement, parfois il tirait en tout cas vaille que souvent à l'emporte-pièce, et cela n'a pas pu servir finalement la République démocratique du Congo. Alors le changement, le premier changement opéré par l'entraîneur qui a remplacé Jean-Florent Ibenge Ikwangé, Pamphile Miayo, entraîneur du Tupissant à Mazembe, qui a sorti Chico Ushindi. C'est vrai, Chico Ushindi n'a pas donné une très belle prestation, hein. C'est aussi un peu comme lors du premier match, hein. Malgré son but, Chico Ushindi et même Lilepo de leur côté, nos ailiers n'avaient pas vraiment apporté ce qu'on pouvait attendre d'eux, hein, ce qui ne permettait pas aussi aux latéraux de pouvoir monter et créer en fait ce surnombre dont on avait besoin hein, pour essayer de mettre à mal nos adversaires. Alors Chico Ushindi sort, Pamphile Miayo nous fait le coup hein, du match, du premier match hein, du match de la première journée, où Jean-Florent Ibenge avait sorti Chico Ushindi remplacé par Dark Kabangu, et finalement fini par décaler Fiston Maëlle sur le côté. On a vu que ça n'avait pas donné un très bon résultat. Je ne sais pas si un avant-centre qui a joué une mi-temps et quelques minutes le mettre des côtés, je ne sais pas si c'est une bonne réponse en tout cas par rapport à la physionomie du match hein, qui devenait un peu plus compliqué pour nous, et un avant-centre qui va sur le côté, qui aura besoin de faire des courses, monter et suppléer aussi son latéral, surtout au latéral droit, parce que Fiston Maël avait remplacé Chico Ushindi du côté droit. Et pourquoi ne pas faire entrer des ailiers type hein, ou au moins celui qui est habitué aussi à jouer à ce poste là, tel que Ricky Toulenge et William Likuta. Nous avons été étonnés de voir que le changement est arrivé en tout cas très très tardivement pour Ricky Toulenge, 15 minutes avant la fin de la rencontre, et pour William Likuta c'était à 10 minutes hein, avant la fin du temps réglementaire. Et le changement qui a finalement payé, parce que le but hein, est passé par William Likuta, qui a offert cette passe décisive hein, à Amédée Massassi. Mais il y a eu quand même une erreur, je pense hein, d'appréciation du côté du staff technique, qui aurait dû opérer le changement depuis bien longtemps, parce que Lilepo n'apportait pas vraiment ce qu'on lui demandait hein. Et même lorsqu'il arrivait, lorsqu'il réussissait en tout cas à faire le débordement, c'est la dernière passe qui ne marchait pas en tout cas, et ne pouvait pas mettre Fiston Omaïle et Kala
Malala dans des bonnes dispositions afin que ce dernier puisse concrétiser son action au début. Du côté de la défense aussi, on a vu ce jour, en tout cas lors de cette rencontre, notre axe central n'était pas aussi sûr comme lors du premier match contre le Congo-Brazzaville. Idoumba Fassika, sociétaire du FC Lupopo, a commis beaucoup de fautes. Il n'était pas en tout cas très serein. De l'autre côté, je n'ai pas senti un Varane beaucoup plus responsable comme lors du premier match. Il a voulu en faire un peu trop, probablement dans sa tête. Il avait encore ce prix qu'il avait gagné lors du premier match, prix de l'homme du match. Il voulait certainement devenir l'homme du match. Il faisait certaines actions avec légèreté et ça a failli nous coûter cher parce qu'une erreur est vite arrivée. Je pense que le staff technique doit tirer les oreilles à nos joueurs qui sont tout aussi jeunes et qui parfois en tout cas doivent se montrer beaucoup plus responsables sur le terrain parce qu'une erreur d'inattention, une mauvaise passe peut nous coûter cher derrière et encaisser en tout cas un but comme nous avions risqué d'encaisser grâce à Nathan Mabouki qui avait sauvé. Il est sorti et malheureusement le Libyen n'avait pas bien exploité aussi ce ballon et a tiré en tout cas sur la poitrine de Nathan Mabouki, ce qui avait sauvé la République démocratique du Congo d'un deuxième but qui aurait été en tout cas fatal pour nous. Je ne crois pas avec la physionomie du match tel qu'on l'a vu que la République démocratique du Congo puisse revenir au score. Mais c'est vrai que en football tout peut arriver, tant que l'arbitre n'a pas encore mis fin à la rencontre. Alors la République démocratique du Congo en est à sa 5e participation sur 6 CHAN. Nous avons manqué en tout cas le championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué au Maroc. C'était il y a 2 ans et CHAN remporté par le Maroc bien entendu. Et la République démocratique du Congo n'a jamais en tout cas remporté toutes les rencontres de son groupe. La RDC a toujours perdu au moins une rencontre depuis qu'elle participe à ce championnat d'Afrique des Nations. Nous nous posons la question de savoir est-ce que pour cette édition, la RDC ne fera pas exception et va éviter une défaite en phase de groupe. En 2009, le CHAN qui nous avait souri en Côte d'Ivoire, nous étions champions du CHAN. En phase de groupe, nous avons été battus par le Ghana 3-0 et c'est le même Ghana que nous allons retrouver en finale et combattra en tout cas par 2-0 grâce à un trésor Poutou étincelant. Et on revient en 2011, CHAN remporté en tout cas par la Tunisie et là la République démocratique du Congo sera également aussi battue pour la battue dans le groupe où nous nous trouvions. Nous étions dans le groupe du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mali et nous étions en tout cas deuxième de ce groupe avec 4 points, ce qui nous avait permis de nous qualifier au prochain tour. À signaler également que la République démocratique du Congo, pour toutes les participations au CHAN, s'est toujours qualifiée au second tour. Et là, c'est le Cameroun qui nous avait battu 2-0. Ça, c'est pour le CHAN en 2011. Et en 2014 également, le CHAN remporté en tout cas par notre adversaire du jour. Il s'agit bien de la Libye. Et pour ce CHAN-là, nous nous étions retrouvés dans le même groupe que le Burundi, la Mauritanie et le Gabon. Nous avions battu en première rencontre la Mauritanie 1-0 et ensuite nous allons être battus par le Gabon. Le Gabon va nous battre par 1-0 également et en troisième rencontre nous allons aussi battre le Burundi, ce qui nous donnera en tout cas à 6 points et nous étions derrière le Gabon. On était qualifié en tout cas deuxième derrière le Gabon qui avait 7 points, qui n'avait connu aucune défaite. Et lorsque nous arrivons en 2016, CHAN remporté encore une fois par nous au Rwanda à voisin. Et là, nous avons été battus toujours par le même Cameroun 3-1. Donc le Cameroun nous a toujours battus assez facilement avec un écart
l'écart d'au moins 2 buts. Hein. Je l'ai dit, en 2011, le Cameroun nous a battu par 2-0. Et en 2016, le champ que nous avons remporté, le Cameroun nous a battu 3-1. Alors, la RDC peut se retrouver hein, sur le chemin du Cameroun encore. Hein. Vous vous rendez compte hein, que s'il faut choisir entre le Mali et le Cameroun, nous référons en tout cas aux statistiques. Hein, vaut mieux choisir le Mali parce que le Mali ne nous a jamais battu dans une compétition, dans une phase finale en tout cas du championnat d'Afrique des Nations, alors que nous n'avons jamais battu le Cameroun ni fait match nul avec le Cameroun dans un championnat d'Afrique des Nations. Alors c'est à nous de voir, est-ce que nous allons briser, en tout cas on va briser cet échec hein, qu'on a toujours eu devant le Cameroun hein, je n'en sais trop rien, et d'autant que cette fois-ci ce championnat d'Afrique des Nations se joue au Cameroun hein, ça se joue en tout cas à la maison au Cameroun, et à nous en tout cas de voir hein, comment nous préparer au cas où le Cameroun on croisait encore le Cameroun sur notre chemin. Donc voilà, et surtout que cette équipe hein, qu'a vanté pratiquement Ibenge lors de la conférence d'avant-match est une belle équipe aussi physique hein, une équipe contrairement en tout cas aux difficultés qu'on pourrait leur attribuer par rapport aux problèmes de championnat suite à cette pandémie Covid-19, le Cameroun a l'air d'être très solide, y compris le Mali, donc ça ne sera pas facile hein, pour la République démocratique du Congo face à ces deux équipes hein. Et j'ose croire que la rencontre d'aujourd'hui contre la Libye nous aura en tout cas permis hein, de revenir un peu bas les pieds sur terre hein, parce que on était un peu dans les nuages hein, on rêvait déjà d'une qualification d'être la première nation qualifiée au terme de cette deuxième journée hein, et voilà que là nous avons égalisé à la dernière minute et tout le monde était heureux se rendant compte que nous venions vraiment de très très loin, nous venons de très loin vraiment, et c'est aussi ce que pense hein, le ministre des Sports qui a effectué le déplacement aujourd'hui avec un certain nombre de supporters pour apporter leur soutien à notre équipe nationale. Ça n'aurait pas été bien de voir le ministre qui arrive avec sa délégation apporter la poisse et voir la République démocratique du Congo perdre. Amos Mbaye était tellement ému après cette égalisation de Amédée Massassi de l'ASV Club, hein, le milieu de terrain de l'ASV Club, qu'il n'a pas en tout cas manqué de d'exprimer hein, ce qu'il pensait en tout cas, d'exprimer ses sentiments après cette égalisation. On est venu de loin, je vous propose donc d'écouter Amos Mbaye avec cet extrait hein, de quelques secondes, hein, je pense, hein, mais le message va passer. Suivant, et nous allons revenir tout de suite après. Je rappelle que vous suivez DMTV, abonnez-vous s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez hein, sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner, bien évidemment, pour vous abonner. Et activez aussi la notification en cliquant sur cette petite cloche. Hein, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons le ministre des Sports, Amos Mbaye. Nous nous retrouvons tout de suite après. Ça c'est autre chose. Vous savez, là on a perdu tout espoir. Dieu a démontré qu'il est grand. C'est la binato, c'est la binamou. C'est la joie, c'est plus que la joie. Parce que là, on avait perdu tout espoir, mais à la dernière seconde, Dieu a montré qu'il est Dieu. Notre arrivée, nous perdons jamais. Non, impossible. Nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là le ministre Amos Mbaye qui était ému en tout cas après cette égalisation hein, d'Amédée Massassi qui a délivré tout un peuple, hein, un but salvateur qui est arrivé en tout cas au-delà même du temps additionnel hein, prévu par l'arbitre du match. Hein. Et à ce propos d'ailleurs, le temps additionnel aurait pu être bien plus que 3 minutes puisque les Libyens ont eu beaucoup de temps en tout cas à faire passer des minutes. Hein. Ils tenaient mordicus à battre la République démocratique du Congo coûte que coûte, mais ça n'a pas marché. Ils en ont eu à leur dépens. Merci en tout cas à nos fauves hein, qui ont mouillé
mouiller le maillot malgré quelques imperfections que nous avons constatées. Hein, mais cela, en tout cas, nous donne des enseignements qui pourra nous permettre de mieux nous préparer hein, pour les prochaines rencontres. Déjà, la prochaine rencontre, ce sera la troisième journée contre le Niger. Le Niger qui a fait jeu égal avec le Congo-Brazza. Le Niger qui a montré aussi un mental très fort et qui a réussi à égaliser. Et le Niger aurait même pu corser le score, hein, corser l'addition en ajoutant un but synonyme de victoire. Mais le match s'est terminé par un but partout, ce qui signifie que nous avons la République démocratique du Congo première avec 4 points, suivi de la Libye et du Niger 2 points chacun. Ensuite, il ferme la marche, le Congo-Brazza avec un seul point. Donc, rien n'est encore joué dans ce groupe. Hein. Les calculettes, malheureusement, doivent sortir. Hein. Et la République démocratique du Congo se qualifiera jusqu'au bout. Un nul suffira, mais je pense qu'il faudra chercher la victoire pour se mettre à l'abri d'une très mauvaise surprise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, comme nous l'avons dit. Hein. Retenez bien ceci, que la République démocratique du Congo n'a jamais battu le Cameroun lors d'une phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Et la République démocratique du Congo n'a jamais été battue par le Mali. Référence, hein. Cela nous permettra en tout cas de nous projeter vers l'avenir, hein, pour voir ce qui pourrait arriver si nous rencontrons tel ou tel autre pays. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à échanger avec nous, n'hésitez pas, hein, laissez-nous un commentaire. Hein. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification car elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis, qui avez partagé avec nous ces quelques minutes hein, pour écouter notre petite analyse. Nous promettons en tout cas de revenir très bientôt avec une autre analyse hein, en ce qui concerne nos fauves. Hein, nous voulons tous qu'ils aillent loin, pourquoi pas qu'ils nous ramènent la coupe ici à la maison. Merci encore une fois, portez-vous bien, DMTV vous dit au revoir.